Alors maintenant, on va extraire le texte d'une image à partir de Google Keep. Lorsque vous entrez dans l'application Google Keep, vous cliquez sur le plus qui se trouve en bas à droite, vous ouvrez une nouvelle note, puis en cliquant sur l'autre plus, vous allez accéder à d'autres options. Ici, on va sélectionner une image qui se trouve sur notre pellicule. On va cliquer dessus, ensuite sur les trois petits points qui se trouvent en haut à droite, puis sur « Extraire le texte d'une image ». Le texte va tout simplement se glisser sous l'image, juste ici, et vous pourrez ensuite le copier, le coller à votre guise. L'autre option est également en cliquant sur le plus et l'autre plus, on va prendre une photo avec Google Keep. Donc, on clique sur « Prendre une photo ». Je prends la photo ici d'un cahier avec du caractère manuscrit. Je vais utiliser la photo. Et ensuite, la même procédure s'applique. Donc, on clique sur l'image. On a des fois un petit délai de synchronisation, vous remarquerez. Donc, ensuite, trois petits points. Extraire le texte de l'image. Et puis voilà, le texte, même si c'est en écriture manuscrite, se glisse tout au-dessous de l'image. Alors maintenant, une fois que vous êtes connecté à votre navigateur Google Chrome, que ce soit en entrant sur votre Chromebook enseignant ou en vous connectant à votre fenêtre juste ici dans le petit bonhomme là, qu'on appelle en haut du navigateur avec votre compte du CSSMI, vous pouvez retrouver la note avec laquelle vous avez fait une numérisation d'image et dans laquelle vous avez extrait le texte. Donc ici, je retrouve la note que j'ai numérisée avec mon appareil mobile. Je clique dessus. Ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de la partager à votre élève. Utilisez toujours la même note tout au long de l'année. Vous effacerez l'image et le texte au fur et à mesure. L'élève aura constamment la note Google Keep dans son appareil, donc dans son navigateur Chrome, et il pourra ensuite copier donc le texte et aller le coller dans le traitement de texte, le logiciel de traitement de texte qu'il utilise et avec lequel il active sa synthèse vocale. On peut penser à LibreOffice ou à un Google document que vous pourriez avoir partagé avec lui. Alors voilà, c'est aussi simple que ça.